Nous arrivons, mon frère. En espérant que tout se passe bien. Malheureusement, nous n'avons plus le choix. Nous devons y aller. Tous ces sacrifices, en valait-il vraiment la peine? Cette relique a fait verser trop de sang dans un peuple. Le nôtre. Oli n'avait pas le choix. Non, aucun de nous ne l'avait. Bien, vous êtes venu comme prévu. J'espère que vous avez trouvé la relique que nous vous avions demandée. En effet, nous l'avons. Parfait. À présent, donnez-la-moi. Alors laissez notre peuple tranquille. Vous n'êtes pas en mesure de négocier. Mais j'en parlerai à notre maître. Très bien. Oli, non! Laissez-le. Mes respects, mon roi. Ah, Spirit, je vous attendais. Quel est votre rapport? Comme vous me l'avez demandé, j'ai essayé de remonter à la source du fléau. La seule piste que nous ayons pu suivre est située en Northrend. En Northrend? J'aurais dû m'en douter. Le fléau dresse une armée de draconides, dans le but de conquérir nos terres. Une armée de dragons? Le gardien de la couvée est un fils de Deathwing. Je crains que nous n'ayons guère le choix. Notre armée est-elle prête?
elle est déjà sur place. J'aime pas trop ça, mon ami. J'ai pensé qu'un nain ne craignait pas la peur. Je n'ai pas peur du tout. Un peu, quand même. Assez perdu de temps. Chevauchons. Non, Dress, attends. Tes intentions personnelles mettent en péril la vie de nos soldats. Que veux-tu dire par là? Tu n'y vas pas uniquement par désir de vengeance. Tuer ces monstres ne ramènera pas ton frère à la vie. Réfléchis. J'y penserai. Quelles peuvent bien être les motivations de Spirit? Personne ne l'a poussé à nous aider. Il a pourtant retrouvé les traces des serviteurs du fléau en seulement 3 semaines. J'ai l'impression que ce druide nous cache quelque chose. Il faut que je sache ce que c'est. Mes amis, cela fait maintenant plus de 2 ans que nous traquons ces serviteurs du fléau. Nous avons enfin découvert leur sombre projet. Comme vous le savez déjà, notre but est de détruire la couvée. Et pour cela, il va falloir faire face au gardien de la portée, Sartarion. Cette victoire marquera le début d'une nouvelle ère pour notre peuple. Une ère où la terreur et les ténèbres n'existent pas. En revanche, l'honneur et la gloire nous attendent aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le feu est leur domaine. Alors les éléments risquent de jouer en notre défaveur. Restez bien vigilants. Spirit, où étais-tu passé? Je ne t'ai pas vu de tout le combat. J'ai d'importantes nouvelles à apporter au roi. Où puis-je le trouver? Ah, Dress! Il vient de repartir pour Dararan! Apparemment, Sarah devait le prévenir d'un danger. Ou quelque chose comme ça. Bien. Je te remercie. Pas de quoi, mon ami!
Ça te dirait une petite bière? Plus tard. Je n'ai pas le temps. Ah, d'accord, d'accord. Oh, Anna! Tu viens me boire un coup? Mon roi. Qu'y a-t-il, Spirit? Nous avons de nouvelles informations provenant du Sanctum de l'Obsidien. Nous avons tué le gardien de la couvée. Eh bien, je t'écoute. Apparemment, il existerait un regroupement de démons au service d'une entité connue sous le nom de Conseil de l'Ombre. Ce conseil semble à l'origine des agressions mort-vivantes dans nos villages et serait situé au centre de la couronne de glace. Il semblerait que nous arrivions au terme de notre expédition en Orphren. Bon travail, Spirit. Nous nous y rendons immédiatement. Faites lever l'armée! Spirit, es-tu bien sûr que c'est ici? Absolument. Alors tes informations se sont révélées fausses. Non, c'est impossible. Peut-être faudrait-il y jeter un œil. Je pars en reconnaissance. Très bien, je t'accompagne. Vous autres, attendez-moi ici. Et restez sur vos gardes! Où sommes-nous? Tu es trop influençable. Les soupçons de Sarah étaient fondés. Le désir de vengeance de ton frère a aveuglé ta confiance. Non. Tu mens! Cela signifierait que tu es au service du fléau? Non. Le fléau m'appartient. Je suis le maître du Conseil de l'Ombre. Et dans peu de temps, tu seras mon serviteur. Tes ambitions t'ont rendu fou, sale traître! Tu as choisi de servir le mal! Je vais donc mettre fin à ta vie! Oui! Il est temps! Allez, tue-moi! Dresse, non! Ne fais pas ça! C'est un piège! Sarah! En tuant ton frère, tout ce qu'il souhaitait était de faire grandir le mal en toi par ton désir de vengeance. Ne rentre pas dans son jeu. Il suffit! Non!
me revoilà. Encore une fois je déco, à la fin de mon instance, le jour déjà s'est levé. J'ai pas vu les heures s'envoler, j'ai passé ma nuit en donjon héroïque. J'ai looté un item de folie, un mal de crâne épique. Partez, partez vers l'aventure et fuyez l'existence. Partez, tombez du stuff et farmez la reconnaissance. Allez, on va montrer qu'on n'est pas des aidés, qu'on a mangé les qualités que personne ne nous connaît. Puisqu'on n'a pas de vie, qu'on rêve d'être adulé, puisqu'on traîne des désirs inassouvis, malaise mal assumé, puisqu'on n'a pas envie de voir la réalité, puisque je sais qu'un jour mon skin épique me sera envié. Mais aujourd'hui je rêve que je pourrais sortir dans le ciel une étoile, une chance à saisir. Et je songe à ces gens qui partout font la fête, mais nous 11 millions de joueurs à farmer nos quêtes. Je pense aux occasions qui se sont envolées, à toutes les soirées oubliées, rencontre ratée. Mais là-bas il m'appelle pour farmer du violet. Qui sait si ça loupe légendaire, je serai populaire. Puisqu'on n'a pas de vie, qu'on rêve d'être adulé, puisqu'on traîne des désirs inassouvis, malaise mal assumé, puisqu'on n'a pas envie de voir la